Eh bien salut à tous, c'est Tintluffy et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter Taxon. Donc Taxon, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle sentinelle qui vient d'arriver dans Warframe là il y a hier il me semble, hier ou avant-hier, enfin dans la semaine quoi. Et en fait cette sentinelle, donc Taxon, va vous servir de gardien. Enfin de gardien, ça, c'est plus une sentinelle, je dirais pas tank, mais c'est un support en fait. Voilà, tout simplement. Donc Taxon, elle a deux capacités. Donc la première capacité, ça va être reciblage. Donc la sentinelle, elle va tout simplement attaquer le premier ennemi visible dans un rayon de 30 mètres quand il est maxé, sachant que son canon, l'Artax, a une polarité de glace au départ, l'ennemi va être gelé, et ça va être très pratique. Il va se retrouver très ralenti et vous allez pouvoir l'attaquer. Donc sa deuxième capacité, tout simplement, va être conversion moléculaire. C'est une capacité très pratique pour le tank. En fait, ça a tout simplement consisté à, aléatoirement, à certains moments, prendre un des ennemis qui est à moins de 10 mètres de vous, et Taxon va envoyer un rayon dessus, qui va revenir en 4 rayons vers vous, en passant par l'ennemi, pour vous donner 200... Enfin, ça va convertir 200, pour, enfin 200 dégâts en bouclier pour la Warframe. Donc vous pouvez vous retrouver avec du rechargement de bouclier ou du proto-shield. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc elle fait vraiment office de tank. Hein. Donc on peut voir ici qu'elle a utilisé la conversion moléculaire. Donc qu'il a tout simplement monté de 200 proto-shield. Donc dès que les ennemis le voient ou se mettent à nous attaquer, Taxon réplique avec son rayon réfrigérant, comme on peut le voir juste ici. Donc qui est vraiment très pratique. Regardez, là par exemple il y avait 3 ennemis il me semble, oui. C'est ça, elle gèle le premier, le deuxième s'approche trop, au prochain tir, elle gèle l'autre. Tout simplement, et c'est très très pratique. Et là, paf, elle le shot et elle recharge les boucliers. En fait, elle va recharger les boucliers au max, et quand ils sont déjà au max, proto-shield, direct. C'est comme ça. Donc vous voyez, ça fait pas énormément de dégâts, le mien est au niveau 0, mais c'est quand même des ennemis niveau 2. Donc non modé, Taxon, enfin sauf avec quelque chose comme... recharger les capacités de bouclier qui la rendra encore plus tank, ça c'est sûr. Donc là c'est pas son style de base, hein, vous l'avez vu sur la première image. En fait là j'ai juste rajouté une queue de sentinelle Koi il me semble, ou quoi, enfin je sais plus, en prisma. Et le badge Stratos ainsi que le badge des raids. Ou l'inverse, enfin je sais plus. Tout ça nous fait de Taxon une sentinelle très sympa qui va servir pour le tank et à mon avis elle va être appréciée. Donc je ne sais pas comment là le BP, moi j'ai eu un message dans ma messagerie et je l'ai eu directement. Mais sinon ça va être une sentinelle très sympa. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous laisse à la prochaine, c'était Tintluffy.